Bonjour et bonsoir à chaque grand compatriote haïtien, quel que soit côtoyé dans le monde, en Haïti ou bien dans la diaspora. À part chez nous, je veux dire là, dans un contexte tout à fait particulier. Donc, à remarquer sur les réseaux sociaux et dans une série de journaux, ça a passé à travers pays d'Haïti, entre la République dominicaine et Haïti. Nous remarquons que forces militaires dominicaines déployées sous frontière d'Abonne. En pile dans nous, a posé cette question, a demandé qui ça cap passé. Mes chers amis, nous n'avons pas gagné leadership en dedans pays d'Haïti. Et puis depuis quelques temps, nous avons bercé tête nos illusions parce que nous pas comprendre en réalité dans qui ça nous trouvons. Nous vivons dans un contexte mondial qui est vraiment, vraiment, vraiment sensible et qui doit interpeller chaque Grenadien, quel que soit côté où il est. Raison m'a dit ça, c'est parce que n'a assisté de façon douce, lente, mais sûre à effondrement l'État haïtien et plus particulièrement de notre nation. Nous, non situation côté que c'est existence nous-mêmes en tant que peuple et nation qui menacée. En pile dans nous, on doit penser que un jeu ça a développé autour du partage de la rivière Massacre. Côté que des paysans dans zone Wanamet décidé prennent prise dans de l'eau ça, dans la rivière ça, pour être capable d'arroser plein pour être capable cultiver des terres arables qui ont gagné et pour être capable répondre avec besoin alimentaire. Et nous remarquons en quelque sorte comment décision ça, initiative ça, font pile tollé dans les médias de la République dominicaine au point que le gouvernement dominicain décidé sanctionner des personnalités politiques en dedans le pays d'Haïti et interpeller le gouvernement haïtien jusqu'au point que il n'est pas arrivé je n'ai accord autour de cette initiative. Et nous voyons que décision gouvernement et unilatéral gouvernement américain dominicain les choqué en pile monde dans la mesure où ils mettaient en rapport de force en faveur d'eux et puis ils ont demandé, en quelque sorte, et imposé au gouvernement haïtien sur une table de négociation. Maintenant, m'a dit, sur le plan diplomatique, ou pas qu'à négocier par la force. Ce n'est pas la diplomatie, c'est la coercition, c'est la diplomatie coercitive. Ou pas qu'à imposer des conditions pour négocier. Maintenant, déploiement en force militaire dominicaine sous territoire et sous frontière d'Abonne, frontière entre Haïti et la République dominicaine, c'est une provocation. C'est une provocation stratégique pour en quelque sorte pousser le gouvernement haïtien à prendre une décision impopulaire, illégitime, et aller à l'encontre des initiatives que paysans yo dans zone là Wanamet prend. Raison ça, en quelque sorte, il y a d'autres enjeux qui cachent derrière situation ça. Il y a des enjeux géopolitiques, stratégiques qui vraiment vraiment cachés derrière. Et notre histoire montre-nous clair que n'a fait face, je ne veux dire, à un complot. Un peu le monde ne doit pas le qualifier de complot, complotiste. Mais n'a fond face à un complot. Et complot, ça, de jour en jour, l'a dessiné dans figure nous, au point pour y réduire nous à notre plus simple expression, pour y mettre nous à genoux en tant que peuple. Et le silence des États-Unis d'Amérique, le silence des pays occidentaux vis-à-vis
de menace ça que la République dominicaine, à travers son gouvernement, fait par le déploiement de leurs forces militaires sur la frontière là, les constituer en quelque sorte, y ont preuve tangible qui montre que le peuple haïtien n'a pas jamais amis dans le monde là. Nous toujours bercer tête nos illusions que nous avons des amis. M'a rappelé pour nous journée aujourd'hui, hein, je dis hein, que nous prenons l'indépendance par rapport à l'Occident. Nous pas prendre l'indépendance nous par rapport avec d'autres ordres mondiaux que ordre mondial qui était imposé par l'Occident, qui était chita sur un système esclavagiste et colonialiste. D'autant plus, nous avons contribué aussi à aider d'autres pays de l'Amérique latine à accéder et à combattre cette forme de domination mondiale, ordre mondial ça de l'époque. Maintenant, il faut comprendre que l'histoire ça, si nous prenons entrer dans dynamique pour nous oublier, eh bien, elle a toujours rattrapé nous. A toujours fait nous changer qui est-ce nous. L'arrivée des Américains en Haïti à travers l'occupation américaine était entrée dans un but bien spécifique. C'était pour mettre fin avec l'armée indigène. L'armée indigène qui te permet de nous accéder à l'indépendance. Et je l'ai aujourd'hui, hein, ces deux acteurs, les États-Unis et la République dominicaine, ils ont toujours cultivé dans eux-mêmes une sorte de résentement vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'Haïti. Et ceci pour plusieurs raisons historiques que je n'ai pas choisi en quelque sorte 10 jours et jeudi là. Parce que je n'ai pas demandé un peu de temps. Mais ça m'a suggéré jeudi, hein, de supposer commencer à réfléchir à d'autres alternatives. Essayer de comprendre comment dynamique géopolitique et stratégique monde a évolué. Réfléchis à qui mode de partenaire nous besoin, qui partenaire nous besoin dans le monde international là, sur scène internationale là. Qui est-ce qui vraiment zami pays d'Haïti en réalité? Ce sont des enjeux et des questions cruciales que nous devons poser si nous voulons exister en tant que peuple. Nous pas qu'à continuer dans le 21e siècle ça, à bercer tête nos illusions, après les, on s'est eu des pays amis. Pendant ce temps, ce sont des ennemis que nous gagnons. Ce sont des ennemis. Si nous gardons, en quelque sorte, les 40 et 50e, 50 années de politique étrangère vis-à-vis de pays d'Haïti, États-Unis, la France, le Canada, ce sont des politiques étrangères, en quelque sorte, qui fondaient sur le racisme. Ce sont des politiques étrangères qui fondaient, en quelque sorte, sur yon perspective à réduire nous à plus simple expression. Yon pas jamais entré dans dynamique, en quelque sorte, pour aider nous à sortir la situation. Mais au contraire, politique étrangère pays sa yo, l'Occident vis-à-vis d'Haïti, l'inscrit dans perspective à kembe nous dans une situation de pauvreté extrême. Pauvreté extrême dans le sens que y a fait nous payer pour avoir contesté l'ordre mondial établi et basé sur le système esclavagiste et colonialiste. Et ceci étant dit, il a quand même réussi dans la mesure où il a propulsé l'économie dominicaine au détriment de l'économie haïtienne. Et nous remarquons avec l'accord et l'aide de yon élite mulatto-libanais dans le pays d'Haïti, il est arrivé en quelque sorte à terme à objectif ça. Nous voyons que l'élite ça, mulatto libanais, il choisit en quelque sorte à investir dans l'économie de la République dominicaine au détriment de l'économie nationale. Ceci étant dit, en quelque sorte, ça vient mettre nous dans une situation extrêmement vulnérable. Côté le peuple haïtien, en majorité noire, livré à lui-même et obligé de trouver une situation côté que il pourrait aller dans le travail, dans canne à sucre, dans plantation en République dominicaine pour des entreprises américaines et des entreprises de la République dominicaine. Et de même aussi, nous voyons comment ils ont forcé en jeunesse à l'exil au Chili, au Brésil, en Amérique latine, et surtout à travers
décision qui visait à dépopuler en quelque sorte pays d'Haïti. Nous assistons aussi avec phénomène de gangérisation ça qui est dans pays d'Haïti qui en quelque sorte contribué à rendre société haïtienne beaucoup plus vulnérable par rapport avec conditions de vie que la menée. Maintenant, il faut comprendre que tous ces mots que me citer là, pauvreté, misère, politique étrangère, raciste vis-à-vis d'Haïti, ça nous relaie, je dis à gang, ça nous relaie corruption, dilapidation des fonds publics, tout bagaille ça, ce sont des mots en quelque sorte que n'a assisté en dedans pays d'Haïti sans que nous pas gagner une élite des hommes et des femmes qui en mesure en quelque sorte pour prendre des décisions en faveur du peuple haïtien. Je dis, faut nous comprendre que ils ont utilisé plusieurs channels pour être capable d'imposer politique ça, cette politique de chaos en dedans pays d'Haïti. Ils ont commencé en quelque sorte par détruire ça nous était gain l'armée indigène avec l'arrivée bien entendu de l'occupation américaine. Ils ont crasé l'armée indigène, ils ont banni anti gendarmerie avec pour philosophie servir les intérêts des États-Unis d'Amérique. Et nous pas gain en quelque sorte nous pas venir entrer en deuxième vague politique étrangère américaine qui pas consiste en quelque sorte à privatiser l'ensemble des entreprises publiques en dedans pays d'Haïti. Et là dit au niveau politique étrangère américain te visé à réduire force nous, système de défense nous, craser système de défense nous que nous te gagné à travers l'armée indigène. Yo remplacer le par une force que relé gendarmerie qui vient accoucher ça nous relé l'armée d'Haïti. Et nous pral ouais au cours de l'histoire l'ensemble ou état-major l'armée d'Haïti c'était en quelque sorte des mercenaires politiques, c'était des agents CIA qui travaillent au détriment du peuple haïtien mais au profit des intérêts américains. Et nous parlons aussi la classe politique haïtienne pas échapper à cette réalité. Nous parlons aussi la bourgeoisie haïtienne en quelque sorte, mulatti ou libanais, pour le mettre tête ensemble à travers une alliance stratégique que pour le faire contre 95% de notre grain. Côté, yo pral imposer nous un mode de politique de chaos. Politique ça à côté que nous pral livrer à nous-mêmes sans que pas personne qui pour camper pour aider peuple haïtien sortir dans situation d'hier. Maintenant ce complot entre les pays occidentaux et cette élite politique et économique contre le peuple haïtien ou pas gagne doute de li journée aujourd'hui. Maintenant, il faut comprendre que l'objectif, c'est de nous réduire, en quelque sorte, à ça, faire nous payer pour ça nous a fait, pour 1804. Et il y a un acteur que vous pouvez utiliser pour faire nous payer ça, c'est la République dominicaine. Maintenant, il faut pas bercer tête nous illusions. Nous devons faire toute courbe, toute ruse. Mais si nous gardons les données, si nous voyageons, nous garder l'ensemble des investissements américains en République dominicaine, l'ensemble des investissements des pays européens, des pays de l'Occident en République dominicaine, en comparaison avec le pays d'Haïti, nous déjà ouais que il y a une priorité occidentale pour soutenir l'économie de la République dominicaine au détriment d'Haïti. Deuxième réalité, les données en quelque sorte que nous avons à notre disposition ont montré clair, privilégié, comment l'Occident privilégie la République dominicaine à travers la mise en place d'un système de défense militaire en République dominicaine pour aider en quelque sorte à mener des politiques militaires agressives vis-à-vis de la République d'Haïti. Maintenant, faut nous clair, y'a pas pour aller paraître directement pour écraser nous. L'Occident pas paraître directement. Mais si nous analysons l'ensemble des politiques étrangères des États-Unis, l'ensemble des politiques étrangères de la France et du Canada, en quelque sorte, yo visé journée aujourd'hui, à back-up la République dominicaine, ok, dans sa politique agressive vis-à-vis d'Haïti, et jouer en quelque sorte pour réduire nous à notre plus simple expression. Nous qui doit bercer tête nos illusions, nous qui doit faire comme si nous pas, ouais, surtout nous autres dans la diaspora, parce que n'a bénéficié de quelques pains dans les pays occidentaux.
n'a bénéficié de quelques pains aux États-Unis, au Canada, en France. Et puis ça permet, en quelque sorte, nous fermer les yeux nous, sur cette réalité. M'am dit nous, n'avons joué qui est extrêmement dangereux. Le comportement de la diaspora haïtienne, jour et jour, il doit interpeller nous pour nous connaître en réalité qui ça nous voulait réellement pour le pays d'Haïti. M'a dit ça, jour et jour, c'est parce que yon nan bagay que m'apprécie, dans ça qui a passé sous frontière là. C'est que li vin montre nous dans qui point que nous vulnérables. Gen pile nan nous qui naïf, qui insouciant, qui te pensé que nous te gen zanmi au niveau international. Non, oui, les pays ça aussi les pays d'amis. Je discours que a vendre nous matin midi soir dans les radios, dans les médias de la République, les nos pays amis, nos pays ceci. Oh oui, Congo. Oh oui, nous chita avec la communauté internationale. Je dis à nous commencer à rendre nous compte. Dieu nous commencer à ouvrir. Nous commencer à réaliser que nous n'avons pas de pays d'amis. L'ensemble des politiques étrangères de ces pays soi-disant amis, ils consistent en quelque sorte à mettre nous à genoux. À réduire nous. À faire nous payer pour fréquenter que nous fait. Et ceci, ce travail, ça, il est là depuis 200 ans. Nous avons des ennemis internes. Les mulattes et les syro-libanais, c'est, y a pas d'intérêt pour y supporter et soutenir camper derrière 95% de nègres noirs tête green. Y a pas d'intérêt, ça. Leur intérêt économique, c'est de s'associer, en quelque sorte, avec les capitalistes de la République dominicaine et des pays occidentaux au détriment, en quelque sorte, de population nègre, haïtienne, noire qui gagne dans le pays. À chaque fois qu'il y a une élection dans le pays d'Haïti, il vient avec des com, il vient à l'argent pour acheter votre peuple. Il connaît le peuple là pas qu'on lit, il connaît le peuple là pas qu'on écrit. D'ailleurs, c'est une raison qui fait qu'il nous dans l'illettrisme, il nous dans l'alphabétisme, de façon à ce que nous pas capables de faire un choix raisonnable. Nous pas capables de faire un choix qui digne et nous choisi le monde qui vous dirige nous. Ils vendent nous un modèle de démocratie. Il y a un modèle de démocratie, en quelque sorte, à l'occidental, qui chita sous pauvreté, qui chita sous la misère. Ils font nous comprendre, en quelque sorte, seule façon pour nous connaître la voie du développement économique, c'est à travers la mise en place des institutions démocratiques. Et je vous dis, au niveau international, nous remarquons c'est le contraire qu'a fait, surtout avec un pays tant que la Chine, surtout avec des pays en Afrique, surtout avec des pays en Asie du Sud-Est. Tout le monde commençait à rendre compte, bagay qui te consiste à dire, oh oui, il faut d'abord renforcer les institutions démocratiques, la démocratie d'abord, ensuite développement économique. Tout le monde ouais, c'est un radote lié par qu'un pays. Yo te utilisons dans l'intellectuel en dedans pays, pour venir vendre nous radote ça. On a l'intellectuel qui sont dans les universités occidentales, yo débarquent en dedans pays, à venir vendre nous démocratie, démocratie, alors que ces pays occidentaux, en quelque sorte, yo te connaît développement, yo connaît économique, yo connaît, c'est pas à travers la démocratie, yo te connaît. C'est après les développements économiques, les développements et sociaux que vous venez accoucher démocratie, vous connaissez en dedans, actuellement là. Maintenant, nous-mêmes, yon ba nous, yon pa, yon vend nous, yon l'autre chemin différent. Et yon gen raison. Pour ça. Yon parlé nous de l'instabilité politique. Yon parlé nous de l'instabilité, de l'insécurité. Mais comment vous voulez pour gen stabilité politique, pour gen stabilité et sécurité, si pas une stabilité économique. Il faut d'abord la stabilité économique. Faut moun ka manger, faut moun ka boire, faut moun ka bien et répondre à besoin élémentaire ça yo. Avant vinn parler de stabilité économique et politique, qui est-ce qui peut lever pour voter grand goût? Comment on peut faire voter grand goût? Faut moun nan ka manger bien, pour bien manger, pour pas gen problème de goûter. Pour pas gè problème 50 cob, pour pas gè problème travail, pour pas gè problème chômage, pour pas gè problème avant que le cap prenne décision claire pour qu'on qui est cap aider mais elle dehors de façon politique.
Mais nous avons une élite qui vend nous ça. Qui vend nous discours que c'est démocratie d'abord. Oui, démocratie d'abord. Mais après que les conditions économiques finissent remplies. Démocratie d'abord. Mais après les conditions économiques finissent remplies en dedans pays d'Haïti. Et il y a une raison qui fait pas vrai conditions économiques qui remplies. C'est ça qui fait ou mener politique néolibérale en dedans pays d'Haïti. Privatiser toute entreprise publique nous te gagne. Yo privatiser Asco, yo craser Asco, yo craser Ciment d'Haïti, yo craser tout bagage ça, tout ça que nous te gagné à travers l'État pour nous te capable assurer yo croissance économique, yo développement économique, tissu industrie nous te gagné, yo craser production nationale nous pour yo ka mettre nous à genoux. Gagne raison pour ça parce que du moment que yo craser capacité économique nous, c'est normal pour nous laguer à deux bras ballants. Pour nous aller en République Dominicaine, à le travail après humiliation, pour nous aller aux États-Unis, au Mexique, au Chili, pour nous aller dans le pays, ça y est, après humiliation. Oui, c'est normal. Parce que puisqu'on n'a pas répondre à besoin, il y a dit nous, Haïti, son pays agricole, n'a pas l'île dans le livre, matin, midi, soir. Mais en réalité, oui, nous sommes pays agricole. Mais alors que nous décidons pour une prise, nous arrivons à massacre là, pour nous arroser terre arabe, pour nous capables d'arriver à sustain, besoin économique nous. Pour nous capables de sécuriser, en quelque sorte, ressources économiques que nous gagnons, alimentation nous, pour nous aider tête nous, pour nous pas humilier tête nous dans la République Dominicaine. Vous pas d'accord? Et là, le pire, c'est que nos soi-disant pays amis, les États-Unis ferment ambassade li. Les États-Unis ferment ambassade li en Haïti, encourager, en quelque sorte, concitoyens pour quitter le pays, sans parler en République Dominicaine, pour y aller. Est-ce que nous parlons nous compte journée aujourd'hui que gon complot qui fait contre pays d'Haïti? Politique chaos ça. Politique pour réduire nous ensemble, nous parlons nous compte combien monde qui pour obliger nous mettre nous chita pour dire nous ça. Combien fois pour nous obliger rendre nous compte? Combien discours pour nous tendre? Nous faisons comme si nous soud. N'a pas joué game, n'a pas joué ruse, n'a pas joué mettre dame, nous pas voulez tant de vérité, n'a pas joué l'insouciant. N'a pas joué l'insouciant parce que nous gen ti clan politique nous. Nous gétis clan PHTK, nous gétis clan Lavalas, nous gétis clan Jovenelis, n'a joué game. Nous pensons nous ruser. Et c'est là, yo piégé nous, nous-mêmes, t'y n'est pas tête green. Yo piégé nous là parce que nous gué vice dans l'esprit nous. Nous pas voulons rendre nous compte que acteurs politiques ça yo, que ce soit PHTK, que ce soit Lavalas, que ce soit Jovenelis, quel que soit secteur politique en dedans pays ça, élite classe politique ça même, yo contribué dans mettre nous là, journée aujourd'hui dans sa nuit là. Pas bien sortir de là. Si nous avons une élite politique qui est conscient de réalité, peuple haïtien, de 1986 à journée aujourd'hui, nous ne pouvons pas livrer à sa nuit là. Des décisions, nous ne pouvons pas prendre privatisation pays d'Haïti, entreprise publique, craser l'armée, détournement fonds pétro-caribé. OK. Et après tremblement de terre ça vend en série de bagarre, yo pas la prendre. Ce sont des décisions qui détruisent en quelque sorte qui allaient contre toute aspiration peuple haïtien pour vivre dans le monde. Là pour un pays côté que des hommes politiques décidés en dépit de tout pour écraser l'armée en dedans pays, écraser la justice institution, détourner l'argent public, fonds public en dedans pays ça. Détourner tout ça qui gagne, vendre pays, craser ça ou elle entreprise publique. Qu'est-ce que nous dépensons qui t'a pas arrivé? Nous pensons que nous avons progressé? Nous pensons que nous avons développé économiquement? Les messieurs ça ou vini, vous pensez que c'est plus mon décision de capable? Je dis, nous rendons compte que c'est qu'on y en a payé les conséquences de nos conséquences. C'est jour et jour d'y en compte que l'armée d'Haïti, malgré le pas bon, mais en quelque sorte, par exemple, dans l'état solide, notre histoire, nous prenons indépendance nous avec l'armée. Même les l'armée n'a pas bon outil qu'à réformer. Mais l'Ocrasil, je vous dis, ça n'a pas assisté sous frontière là. C'est conséquence de nos conséquences. Parce que là, ça nous t'a battu bravo. Parce que nous pas réfléchi. Nous t'es seulement aspect politique. Nous t'es seulement aspect. Mais nous pas jamais penser pays. Nous t'es seulement pouvoir. Mais nous pas jamais penser pays. Nous pas jamais penser nation. Nous pas jamais penser l'état.
mais nous te ouais notre petite personne, nous te ouais en quelque sorte, c'est Aristide, c'est pouvoir nous besoin, nous prenons pour nous écraser toute sa guerre dans le pays, il suffit que nous arrivions dans le pouvoir. Nous craser, nous t'as dit oui, libéralisation économique. Nous entrons dans le pays, nous privatiser toute entreprise publique, yo, je ne j'en dis à Measco fini, mais si mon Haïti crasé, nous, n'a payé les conséquences de nos conséquences. Parce que nous toujours battre bravo. Nous toujours battre bravo pour des politiciens apatrides qui vendent le pays, qui ne complotent avec l'international pour détruire nous. Pour dégoûter. Ça étonne aujourd'hui, Ça étonne aujourd'hui, pour le privé. On est qui est président du pays d'Haïti, à le marier petit en République Dominicaine. Ça étonne. Ou elle pas jamais intérêt en dedans pays d'Haïti. Parce que même pour petit li, il pas de marier en dedans pays. Ça étonne, jodi, pour Aristide, petit li, c'est aux États-Unis que la petite dit. Ça étonne, pour elle, construit l'université en dedans pays d'Haïti, mais il va ramener petit li là-dedans. Ça veut dire, ou même jodi, ou je malin, ou je ruse. Parce que depuis au bon 1000 goud, ou prend la rue ou al boule. Depuis j'en 1000 goud, ou prend la rue ou al crasé. Depuis on prend 1000 goud, ou prend la rue ou al rele à bas. Depuis on prend 50 goud, ou prend la rue ou prend crasé de tuy. Non pas j'en pose cette question. Pour qui raison d'a pas recevoir 1000 goud pour faire manifestation? Pour qui raison d'a pas prele à bas ou après les vivre? Condition de vie ou pas j'en changer? Ça pas intéressant vous d'arrêter comme ça. Ça pas intéressant pour d'arrêter qu'on est d'être boulé, d'être crasé, d'être manipulé, d'être à bail conférence de presse, d'être n'est pas parler dans radio, d'être n'est pas faire discours, d'être intellectuel à monter en haut, parler français, faire jugement dans le pays, ou pas rendre compte que de jour en jour, l'on ajoute tout le bagage ensemble. Nous, c'est une politique de chaos, une politique de régression qui n'a pas assisté dans le pays d'Haïti. Ça pas dit nous rien. Ça pas interpellé nous. Même les Rousseau, même les analphabètes, même les pas qu'on lit, pour qu'il y ait bon sens. Pour qu'il y ait bon sens. Nous faisons vie, nous n'a dit vivre. Nous faisons vie, nous n'a dit à bas. Nous faisons vie, nous n'a fait élection. Nous faisons vie, nous n'a élu vacabon. Nous faisons vie, nous, en quelque sorte, n'a mettez moun dans tête l'État. Yo mangez yo. Yo crasez l'argent Petro-Caribé. Yo crasez l'argent coopérative. Yo crasez yo vende paysan. Yo crasez institution paysan. Yo ba nous gang. Yo crasé production nationale, yo crasé, yo pas qu'à camper, mais je ne le dis pas, la République Dominicaine a humilié nous. La République Dominicaine a humilié nous, nous estomaqué. Nous pas qu'à estomaqué. Les autres fait nous pas qu'à estomaqué, parce que c'est une réalité. Parce que c'est une réalité liée. Et qu'on vle le coupable, vle la prêter dans la figure. Je ne le dis pas, ça étonne pour pas aucun grain milat si au Libanais. Quoi n'amène? Nous avons grain milat si au Libanais avec peuple là, mais toute journée, on attend de parler de Bidjo. Toute journée, on attend de parler de Accra. Toute journée, on attend de parler de Vob. Toute journée, on attend de parler de Meuse. Toute journée, on attend de parler de si au Libanais. Toute journée, nous attend de parler de Boulos. Toute journée, nous attend de parler de radio. Mais où est le peuple à joindre problème pâle? Où est ce nègre ma tête grain seulement qui campait face à la République Dominicaine? Nous est la même République Dominicaine déployée sous frontière. Mais voyagez-nous. Nous est son peuple. Regardez combien tinègre noir. Seulement 400% tinègre noir d'être grain. Comme si Milat yo pas d'intérêt dans le canal là. Si au Libanais yo pas d'intérêt dans le canal là. Ça va passer comme ça. Kode yo. Pour qui raison silence ça? M'soje, l'intérêt Milat yo tes bagaille l'intérêt mulatio t'est menacé. Nous t'es ouais vob dans radio, nous t'es ouais Dimitri vob dans radio matin midi soir à faire live, nous t'es ouais Reginald Boulos dans radio matin midi soir à faire live. Mais en sérieux, en honnête, en réfléchi, mes peuples haïtiens là non wana men mes peuples là non wana. Bien, moi, non, mais. A mené bataille, ça, là. Côté, Milat, yo. Côté, si, au Libanais.
Kone mi lato kone si yo Libane yo. Yo pa haïtien? Est-ce que yo pa haïtien? Kote ti monsieur HMI yo? Kote isolant? Nou pa haïtien? Est-ce que nous pas ici? Si m'y comprenne. Quand on dit dîner en blanc, toute diaspora descend à l'an dîner en blanc. Toute grand limine à grand poêle descend à l'an dîner en blanc. Au cap lié tonton. Tout moun al show off nan dîner en blanc. Ma sisi, ma divine, tout al show off nan dîner en blanc. Kode nou kon yan la. Kode nou. Tout moun al show off, al moutre grand poêle, al ouvre krekyo, tout diaspora descend, al ouvre mouda yo en bas. Nou fier de Haïti kon sa. Al fè nou pa l'autre bois. Kode nou. Kode nou. Ba wè nou. Quand il s'agit de dîner en blanc, nous tout poté bourré. Ma sissi, ma divine, grand poêle, grand crête, limena, nous tout poté bourré. Al show off, dîner en blanc, dîner en blanc. Nous ta font descendre là. Nous ta l'aider peuple wana maintenant, ça nous pensait. Nous sommes nation vicieux. Nous gain ça dans mentalité, nous dans culture, nous vicieux, nous usiers. Nous pas aimer vérité. Depuis ces bagages pour nous show off, pour nous paraître comme grand limina, grand poêle, grand crier, folie milat, folie si au Libanais, et dîner en blanc. Nous payons tickets, nous descendons, nous ouvrons mon danou, fait caca. Après ça, nous montons avion, comme diaspora, nous venons bailler, nous venons travailler, t'as coupé, caille blanc. Dans le caca, mon Haïti propose, nous sommes à faire. Nous, États-Unis, et là, et driver, n'a pas driver. Nous parlons en Syrie. Nous, j'aime dans des millionnaires haïtiens. Ou à jeune millionnaire, c'est là. Mais nous-mêmes, qui a nous régler. Puis, quand on arrive, on dit, on docteur, on ingénieur, ou bien on vient bien business, qu'a font $200,000 là. Non, pile bataille, après dépense, souhaiter était 50,000. C'est pas chance, c'est chance. Mais là, nous besoin show off, à le descendre en Haïti, à le faire caca. Là, nous descend, nous besoin faire show off, descendre, nous vermouda nous. Mais nous va régler par pays. Parce que nous prenons pays mounio pour nous. Nous c'est diaspora. Pays blanc c'est pour nous nier. On va acheter Gokai. On va acheter Gokai Georgia. Acheter Gokai Florida. Parce que en réalité c'est pauvre nous. Nous sommes dans Haïti pauvre. Si nous avons tête grande, nous pas de gagner dans le monde. Ça te prend Kante. Ça te passe par Mexique. Ça qui devient depuis nous vini nous pantan. Nous jeunes, nous touché d'où là. Nous avons vieux pays tchèque dans le monde. Et puis, j'attendais à là, nous, oui, n'a pas acheté Tikai, et puis, nous pensons, nous finir rivé. Achetons vieux Mercedes, achetons vieux machine, et puis, vie nous vers Mondano. Nous, pas contre réalité, pays, nous, pas contre lit. D'ailleurs, nous, pas contre lit en Haïti. Et normal, nous, rivé, nous pensons, c'est un paradis, nous, pour nous, jouer des goudins, et puis, nous, vers Mondano. Parce que nous, pas chita, nous, pas contre lit. Nous, d'ailleurs, qui ça nous connaît de pays? Qui ça nous connaît de pays? Nous, pas réfléchir pays. Et ça fait, yo, bah, nous, être chez Maï. Qui vous corrompt nous. Ça fait nous, nous gagnons, dans Etchemay, dans la bataille matin midi soir, dans Etchemay, dans la gouille, dans la guerre, dans la tafia, dans la sisi. Pas de sérieux. Et puis, quand y a là, après, pays a effondré. Pays a effondré. Pays nous a effondré. Ça n'est pas problème, nous. Nous va sentir nous concernés. Ça va intéresser nous. Ça va dire nous rien. Ça va dire nous rien. N'a pas gardé. Pas grand monde dans influenceur sur les réseaux sociaux. Qui m'a dit à supporter ça. À supporter ça qu'a fait là. En pile monde aller chez eux chita, gagne monde dire les dit mon cher. La voici, moi, pour comprendre, où sont les qui campaient, en dedans, banque, qui ça me gagne à perdre? Qui ça me gagne à perdre?
États-Unis ko vle ko parle ou voye kaka demain si devé au déporto y a ici voilà oui République dominicaine pa paye ou a on joue ka privé quand même y a foudou de yo ou met te gen 100 ans États-Unis ou met te gen 30 ans bon joue ka privé ou am jeune président go politique ka fait y a poussé moun don de yo de dans pays parce que nous son nation ti nèg va te gen nous vicieux nous remet a fait moun. Et c'est ça qui arrive nous là. Nous poter bourrer en République dominicaine, nous remet à faire moun. Nous pas bataille. Nous connaît ni nous en dedans pays d'Haïti. Nous connaît ni ennemi interne ni ennemi externe. Nous relé aux amis. Des bougie confusion dans l'esprit ou. Ou pas clair qui est-ce qui est ennemi ou qui est-ce qui est ami ou. C'est normal pour tomber dans mauvaise situation. Premier bagage pour apprendre qu'on est dans la vie, c'est qui est-ce qui est ennemi. Et qui est-ce qui est amour réel. Parce que quand il y a confusion, debout pas clair sur ça. Ma victime. Et c'est ça qui fait pays d'Haïti depuis 200 ans. Comment on voulait nous pour indépendance nous contre le système colonialiste, esclavagiste des pays occidentaux. Et puis nous pensons qu'il y a les amis nous. Dans qui livre nous ça? Qui est-ce qui t'a appris nous ça? Qui est-ce qui écrit ça qui était pour nous? Qui est-ce qui apprend nous? Que des poulets élevés contre un pays, contre un système mondial, ou combattre, ou tracer un exemple, ou pral prendre comme zami. Vekele. Dans qui livre nous lit ça? Ça qui apprend nous ça? Même les gens qui vini, li dit nous ça qu'on est un monde fou. Il a nous. N'importe qui t'a dit ou camper ou battre un système ou exporter une révolution en Amérique latine et vous pensez que pays ça va venir zami ou c'est gros fou ou fou c'est une raison qui fait nous pas comprendre diplomatie. Nous avons d'alti l'école. Massissi, vous mettez dans le pays, ANDC, CEDI. Son d'alti l'école Massissi. Qui vous forme, on dal nèg, yo di, chita nan fait protocole, mettez ti pantalon serré, ti pantalon bousin, ti veste, ti costume bousin. Mais, si vous avez besoin bon l'école sérieux, premier l'école où t'as commencé à réfléchir avec. C'est à toi, bagay, vous besoin. Pour parler dans le monde là. Ou bien trois bagages ou besoin pour parler dans le monde là. Premier outil ou besoin pour parler dans le monde là. C'est militaire. C'est défense, c'est capacité ou gain pour défendre le territoire. C'est capacité ou gain pour protéger le sol. C'est capacité ou gain pour établir, maintenir l'ordre dans le pays. C'est capacité ou gain pour maintenir pour sauvegarder la souveraineté nationale. Pour cela, ou besoin d'un bon système de défense militaire. Ça, c'est bagaille ABC. C'est ABC. La question existence, on peuple, on nation, on l'État. Fait, de bougon territoire, on va pas protéger, kaka wa fait. De bougon population, on va pas protéger, kaka wa fait. De bougon terre, on va pas protéger, bullshit wa fait. Y a entré à prendre. Nous faut constitution. La constitution nous dit, étranger pas de gain terre dans le pays d'Haïti. En 1915, les États-Unis entrèrent dans le pays d'Haïti avec force militaire. Marines, ils ont occupé nous, ils ont changé constitution. Ils ont battu la constitution de 1918. Ils ont retiré article principe qui était dit, blanc pas étranger pas de gain terre dans le pays. Ça faut pas qu'à protéger constitution. C'est parce qu'on pas de gain ou pas de gon l'armée qui solide. Ça faut pas qu'à protéger institution. C'est parce que système de défense ou t'es faible, t'es weak. Deuxième bagaille ou besoin. Lorsqu'on l'armée ou gain des forces militaires, faut gon bon économie qui solide. Ou besoin économie. Et sous bagaille économie. Ou pas qu'à gagner ça ou de sécurité alimentaire. Depuis pas de sécurité alimentaire,
Il va déboucher sur crise sociale. Depuis qu'il y a une crise sociale, il va déboucher sur crise politique. T'aimerais dire samedi encore. Depuis son cercle vicieux, depuis qu'il y a une économie qui pour assurer sa sécurité alimentaire de la population, il va déboucher sur crise sociale. De crise sociale, il va déboucher sur crise politique. Et de vous tomber dans crise politique, il va venir une source de stabilité pour région. C'est normal, on va l'assister avec des interventions étrangères. Pas de pays. Pas de sortie de là. Troisième bagage ou besoin. Ou besoin des hommes qui formés. Ou pas besoin diplomatie. La diplomatie, c'est un instrument de la géopolitique. Ou besoin des géopolitologues. Ou besoin des géostratèges. Ou bon d'un type diplomate bousin qui pas régler rien sérieux dans le pays. Ou besoin géopolitologue. Ou besoin géostratège. Des hommes qui ont réfléchi sous problématique de souveraineté nationale. Des hommes qui ont réfléchi sous problématique d'intégrité du territoire. Des hommes qui ont réfléchi sous des systèmes de défense militaire en dedans le pays. Des hommes qui ont réfléchi sous position géopolitique et stratégique pays d'Haïti dans le monde. Des hommes qui ont réfléchi sous position géopolitique et stratégique pays d'Haïti dans la région, dans le Caraïbe. Et des hommes qui ont besoin. Et bon, d'Alti Massi Sibouzin, qui par contre ni ligne écrit, a fait deux jours dans CEDI, qui a fait deux jours dans NDC, envahi ministère des Affaires étrangères, et même nous avons diplomates, nous avons politique étrangère. Nous n'avons pas politique étrangère. Ou gen diplomatie. Ou gen dalbouze qui pense mettre costume sous nan figuio, rive nan l'eau ni parler caca. OK? Rense nan figi moun, marcher dans toute organisation internationale. Al fè bouze, al traîner plate yo. Mettez costume massi si sou yo. C'est nèg sa nou rele ki sa diplomate. Nou rele yo diplomate. Chi ta fè discours creux nan l'ONU, chi ta fè discours creux nan OEA, chi ta fè discours creux Non, CARICOM, et puis pays a effondré. Yo pa même konn comment pour yo camper un pays, yo pa même konn comment pour yo défendre un pays, yo pa même konn comment ki discours pour yo gagner pour assurer protection pays. Ndé n'a bin di nou gen diplomate, nou gen ministère affaires étrangères. Yo groupe malandré entrer dans pays. Yo assassine un président et nous avons une diplomatie, qui diplomatie. Nous pa honte. Nous avons le temps de vérité. Nous avons un problème à vérité. Avec une cabine, dit, oh oui, nous besoin intellectuel. Qui intellectuel? Qui intellectuel dans le pays d'Haïti? Qui compte lire dans le pays d'Haïti? Ça veut dire qu'on lit. Parce que pas les Français, on lit. Nous avons un cap vomi, on sait des théories occidentales dans figu. Nous disons, oh, il est intellectuel. Intellectuel, on dit ça. Ou pas de moi, chaque de. Plus n'a pas dit ça ou intellectuel, c'est plus n'a pas mangé de caca dans le pays d'Haïti. Plus n'a pas les vagabonds intellectuels, c'est plus grand appétit moun danou, c'est plus misère dans moun danou, c'est plus grand goût dans moun danou, c'est plus nous pas à manger, c'est plus nous pas driver, kay voisin, c'est plus nous pas driver, nan rage Chili, Brésil, tout mal propre n'a pas relé intellectuel, yo. Ou pas c'est en français ou vin parler pour pas comprendre? Parce que depuis, on pas dit deux mots français, il n'y pas intellectuel. Ou pas prélé ou intellectuel. Mais regardez-vous, ou chargé intellectuel qui a parlé français, pendant ce temps, il a chuté Moudon en République Dominicaine. Ou chargé intellectuel, folie intellectuelle, Joel Bock, qui est, en dedans le pays, qui a pris les têtes intellectuelles, qui a parlé matin, midi, soir dans la radio, et puis, on a drivé en bas pour Texas, il a chuté Moudon. Il a chuté Moudon en bas pour Texas. Y a chuté moun d'or Brésil, y a chuté moun d'or Chili, y a chuté moun d'or Mexique, y a chuté moun d'or Colombie, y a chuté moun d'or Panama, y a chuté moun d'or en République Dominicaine.
Et pour pas honte, après les cas, on tire des malpropres qui calambent intellectuels. Côté intellectuel là. Côté monde intellectuel là. Non, honte. Qui les yeux noirs pour vous? Qui les n'a pas conscience qu'on se rend à Jolbo qui est senti cri, vicieux, manger à tête? Comment on est fait intellectuel? N'est-ce que la levé le sorti dans le pays li pauvre? N'est-ce que la sorti le levé jeune maman malheureuse? N'est-ce que la sorti le jeune maman c'est grand goût, misette dans le monde? Celle exit li gagne c'est à l'école, c'est l'éducation. Li prend autre chemin l'école. La drive le jeune vieux bousse à étudier dans le pays étranger. Celle titre li gagne c'est titre diplôme dans Bali. Li pare les brantes, li pare les meuses, li pare les akra, li pas sorti dans grand famille. L'elle tourne en Haïti en bout de diplôme. C'est toute fierté lui. C'est toute fierté lui. C'est ça que ça a gagné, oui. Et elle bout de diplôme, non, tu fais le monde. C'est ça le bout de diplôme, non, papier blanc, balé à tel monde. Quand elle va questionner connaissance, ou elle m'a gagné pour réfléchir sur connaissance, lui, c'est quoi? Ou elle gagné pour réfléchir, est-ce que connaissance blanc, balé, est-ce qu'elle a été le pays? Ça va gagné. Parce que c'est vieux bout de diplôme, non, l'elle paraît dans le pays pour le dire intellectuel. L'elle paraît dans le pays pour le longer bouche pour venir parler français. Mais lui seulement gagne. Ou Raïm? Good. Ou Raïm pour vérité? Good. Ou parler dans des vérités? Good. Mais ma bonne garantie. Ma question, je dis à la. Depuis nous, toujours été insouciant. Depuis nous fermons les yeux, nous n'avons pas de ruse. Nous dame toujours. Nous ne voulons pas connaître qui est ennemi nous, vrai ennemi nous. Ennemi intérieur comme ennemi extérieur. Pour nous connaître qui ça n'a pas décidé réellement en tant que peuple. En tant que petit nègre dans la tête. Et nous disons ces bagailles. Nous avons 100 ans devant nous. Pour nous finir avec nous en tant que peuple. 100 ans. Nous avons 100 ans. Nous avons fait nous marcher drivé dans tout pays. Et nous finons marcher, nous finons drivé dans tout pays. On l'a avant envie de tourner dans le pays où il y aurait les Haïtiens. C'est blanc, Jevet qui va le chiter à la donne. C'est Milat, c'est au Libanais qui va le chiter à la donne. N'a pas disparu, n'a pas éparpillé, tant qu'on esclave. Dans tout pays, dans le monde. Et puis blanc, c'est au Libanais, Milat, pour le profiter des pays. Et bien nous-mêmes, il y a interdit nous accès là-dedans. Et moi, j'ai séance. Nous connaissons nous, Raïm, pour vérité ça. Mais comme moi-même, je suis serviteur de la vérité, je n'ai pas de choix. Je suis obligé de dire nous. Qui tout raïm, qui tout même, m'oblige de l'eau. Ou attendez là dans oreille ou li fait mal. Ou attendez vérité ça dans oreille ou li dur. Ou attendez vérité ça dans oreille ou li bon de manger zan. Mais m'a dit un petit bagay, ou ka goumen avec. Ou ka bataille avec. Ou ka raïm. Mais ou la vérité? La patra pour quand même. Nous remets moun qui pou di nou belle parole. Politicien bluffé, kap ba nou bel discours. Nou remets moun kap vin parler français avec nous. M'pa ka parler français avec ou. M'pa ka vin dou vérité en français. M'ba ou le cru. Si vous voulez manger, manger. Si vous voulez prendre, prendre. Vous voulez vomir, vomir. Vous voulez cracher sous lui, cracher sous lui. Mais ma pchita là. Ma pchita là. Ma pgado. Parce que dans 10 ans encore, on va le plaindre. Dans 10 ans encore, on va continuer à plaindre. Parce que on a confusion dans l'esprit. On va prendre les ennemis ou les amis. On va prendre les vérités, les mensonges. On va prendre les biens, mal. Ou dans confusion. Parce qu'on a politique de chaos. Ou a bat bravo pour bourreau. Nèg qui crase paysan ou bat bravo pour lui. Parce que c'est dans le clan lié. Nèg qui dilapide l'argent paysan ou bat bravo pour lui.
Conseil Milak qui met au dehors ou content. Côté Boulos. Boulos rentre école, nous baouel. Côté Reginald Boulos. Reginald Boulos, Dimitri Vob rentre école, nous baouel. Parce que intérêt yo, yo fin bataille. Bataille pour pas bataille yo. Le yo tap bataille yo te besoin. Mais ou la ou ap bataille? Côté Dimitri. Côté Vob. Côté Reginald. Côté Boulos. Bataille ça ou pas pour yo. Bonjour n'a privé. Nous gè pou nous comprendre. Nous gè pou nous comprendre. Et laisse à la toi ta ou nous. Laisse à la toi ta pour nous. Et mine zam dire. M'a quitté nous, je dis à la avec parole ça. Am ki denon la. Se situation canal sa. Si nou pa profite de situation canal sa. Pou nou identifier vrai ennemi nou. Extérieur. Comme intérieur. Qu'on est nou condamné. Pou nou pa jam moun. Nan moun sa. Encore en tant que peuple. M'a prédit encore. Se canal sa. Qui pour ouvrir jour pour qu'on qui est-ce qui ennemi extérieur qui est-ce qui ennemi interne pays d'Haïti ou est-ce si on va profiter de situation ça pour identifier ennemi interne ennemi externe pour garder clair ça qui a passé. Pour comprendre qui s'en prend. Ou là pour encore 100 ans. A courir quitter pays. Après le passé misère à Dieu. Après les grands goûts. Après les misères. A subi humiliation. A subi déception. A bon entendeur. Salut. Non pas moins. C'est Lavoisier. Jérisé. Junior. Mais nous. Nous sommes beaux sales. Même là nous met costume c'est pas quitter le foule nous pas quitter petit costume oxy dans la foule son beau sale moi et comme ça mieux me fait beau sale les beau sale et comme ça mieux pas passer c'est comme ça c'est nature mieux beau sale même m'ba zizi m'ba nous jol boké nous on grain plein m'ba ke Mbappé m'a dit nous kembe là pas décourager. Passez bon après-midi, bon sabbat, bonjour à tout le monde. Ciao.